Alors, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit truc sur Canva depuis le téléphone, hein, comme vous voyez depuis le téléphone aujourd'hui. Je vais rapidement vous montrer quelque chose, comment créer un logo depuis ton téléphone. D'accord? Très simplement, en 5 minutes, on va créer un logo, on va prendre un exemple et puis on y va. D'accord? Alors, je choisis l'application Canva. Tac, je rentre dedans. Alors, pour créer un logo, c'est très simple. D'accord, la première des choses à faire, c'est quoi? Aujourd'hui, tu diriges une entreprise, tu as envie de lancer ton business en ligne et tout. Voici la façon la plus simple de créer ton logo, autant pour moi. Ok, voici la façon la plus simple de créer ton logo, je disais. Donc, je clique sur le plus, ce plus là, je clique dessus, et ici dans la barre de recherche, je choisis logo. Voilà. Donc je choisis le premier résultat, logo. Donc normalement quand on va charger l'espace de travail. Ah, ça va pas charger, c'est bizarre ça. Donc je choisis logo. Ah voilà, j'avais pas bien choisi. Donc j'ai choisi logo. Quand on va recharger, je pense que. Est-ce que ma connexion marche bien? Bon. J'ai pas activé ma 4G parce que je pense que ma connexion marche pas bien. Voilà, donc je vais activer ma 4G plutôt pour que ça aille plus vite. Alors, on va y aller très rapidement. D'accord, vous voyez déjà qu'on va vous propose des exemples de logos. Ok, et vous, dépendamment de ce que vous faites, vous allez choisir un logo. D'accord, donc je prends ça par exemple. Vous voyez, il y a même le branding. Donc ça, c'est Kimberly Nguyen. D'accord? Là, je vais essayer de changer un peu. Parce que derrière, ce qui se trouve derrière, c'est possible de le changer. Donc là, on va d'abord déplacer ça. Je vais le tirer. Ensuite, je vais déplacer ça. Vous voyez un peu? C'est bien fait, pourtant. J'ai déplacé ça. Donc, imaginons que ma boutique qui s'appelle par exemple Sloney Beauty ou bien Sonia Beauty, d'accord? Donc, je change ça, je mets SB, d'accord? SB. Donc là, vous vous souvenez, on a pris un template, on a modifié. Hein. Je viens resélectionner ce que j'avais déplacé, je le ramène là. D'accord. Si je veux le réduire, je le réduis un peu. Voilà. Donc, je reviens là. Voilà. Je l'emmène un peu en haut. Voilà. L'écriture. Voilà. Et maintenant, je change l'écriture. Je fais un double clic dessus. Voilà. Et je mets Sonia Beauty. Done. Donc imaginez-vous là, je peux même changer la couleur, ok? Je peux mettre du noir, je peux mettre du bleu, ce que je veux. D'accord. Voilà. Je peux même changer la couleur du SB derrière. Done. Je peux même changer la couleur du SB. Ok, tu peux prendre une de cette couleur-là, un peu plus féminine. Super, voilà. Donc là, on vient de réaliser le logo de Sonia Beauty. Donc tout simplement comme ça, tu viens de réaliser ton logo. Donc une fois que tu finis, tu appuies sur télécharger en haut. Tac. Et Canva, il va enregistrer ton logo dans ta galerie. Et toi, tu pourras maintenant créer ta page Instagram, ta page Facebook et tous tes réseaux sociaux pour pouvoir mettre ton logo et débuter ton business. D'accord? Donc, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner. Ça me fera un plaisir. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas, partage-la. Et mets en commentaire si tu as besoin d'aide ou si tu as des suggestions, si tu veux que je crée d'autres logos à partir du téléphone. D'accord? Merci beaucoup. À la prochaine.